un nouveau porte-avions sera construit pour succéder au Charles de Gaulle. Phase d'étude jusqu'en 2020, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. Il sera sur les océans quand? Autour de 2038-2040. Donc aujourd'hui, le porte-avions Charles de Gaulle, l'actuel, a été entièrement rénové. C'est une opération de 18 mois. Opérationnel en 2019. Il sera opérationnel en 2019. Je me rendrai dans quelques jours à la rencontre des équipages. La remise à la mer est en route. C'est une énorme opération qui a été conduite. Et la question, c'est de savoir quel sera le successeur du Charles de Gaulle. Et cette question, il faut que nous nous la posions maintenant. Et la loi de programmation militaire prévoit que d'ici 2020, on réponde à un certain nombre de questions, c'est-à-dire quelles sont les missions que ce porte-avions devra conduire, quelles sont les caractéristiques de ce porte-avions, est-ce que c'est un porte-avions qui sera à propulsion nucléaire ou à propulsion conventionnelle, combien d'avions devra-t-il accueillir, et c'est là que je fais le lien avec le nouvel avion de combat. J'ai compris. Quels seront ces avions de combat et quelle dimension ce porte-avions devra-t-il avoir.